vous connaissez bien, est-ce qu'il peut avoir cette force et cette envie? Écoutez, je ne sais pas, parce que à l'heure où nous parlons, n'anticipons pas sur ce qui va se passer. Ce qui est devant nous, c'est un espoir formidable. C'est celui de la réhabilitation véritablement d'un homme. C'est sa capacité de démontrer l'innocence qu'il a toujours clamée. C'est au fond la possibilité pour lui de retrouver encore une fois sa dignité, son honneur. Et moi, je pense d'abord à lui, à sa femme, Anne Sinclair, parce que j'ai été très choquée d'un certain nombre de commentaires qui, au fond, marquaient l'incompréhension de ce qu'elle le soutienne de façon aussi forte. Et je pense qu'ensemble, ils ont affronté une tempête incroyable et que ce que nous pouvons espérer à ce stade, c'est que, au fond, les mauvais vents et la mauvaise mer se calment et qu'ils voient enfin le bout du voyage.